Comment augmenter sa vibration, sa fréquence vibratoire, son taux vibratoire avec le soleil? Salut petite merveille, je suis Philippe de Créer ma réalité et je t'aide chaque jour à créer ta réalité. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on continue sur notre série sur le taux vibratoire et comment on peut profiter du soleil pour augmenter sa vibration. Et ça tombe bien, il y a du soleil. Voilà, j'ai trouvé un moyen de poser mon téléphone. Hop, voilà. Alors déjà, voilà, excuse-moi, je finis ça. Voilà, c'est bon. Et donc déjà, c'est quoi la vibration? En fait, on est des êtres d'énergie. On est des êtres... Excuse-moi. Voilà. On est des êtres d'énergie. On est des êtres qui vibrent à une certaine fréquence. D'accord? Et si tu te demandes pourquoi c'est important d'augmenter sa fréquence, eh bien, je vais juste te l'illustrer très simplement. Quel est l'état humain dans lequel notre fréquence est la plus basse? T'as la réponse, t'as trouvé? C'est quand t'es mort. Voilà. Quand t'es mort, ta fréquence, elle est la plus basse possible. Ok? Quand tu es malade, ton niveau de fréquence, il vibre. Il baisse, pardon. Ton niveau de fréquence baisse aussi. Ok? Donc, plus ton niveau de fréquence, il est haut, il est élevé, plus tu vas être en bonne santé, plus ton système immunitaire va être réactif et plus ton niveau d'énergie va être élevé. Et pourquoi c'est important? Eh bien, en ces périodes un peu bizarres, c'est important. Alors, c'est important déjà d'avoir, pourquoi c'est important d'avoir un système immunitaire en bonne santé? Tu t'en doutes bien, pour réagir aux maladies, aux agressions extérieures, à ce fameux virus, tous ces trucs-là. Ok, ça on le sait, mais ça joue aussi sur ton état psychologique interne. Si tu es élevé en vibration, tu es beaucoup moins sensible aux manipulations, aux informations contradictoires qui te viennent et aux informations que nous sont envoyées par les médias. Ok ? Et cela te permet de prendre des choix en conscience, déjà de t'aligner en t'alignant à l'intérieur, en prenant conscience de ce qui est et non pas en te laissant bercer tel un petit enfant, en augmentant ta vibration, tu augmentes ta liberté intérieure. Peu importe ce qui se passe, que l'on t'oblige à te masquer, que l'on t'oblige à mettre des gants, etc. Peu importe ça, si toi, à l'intérieur, tu es aligné avec toi, si tu augmentes ta fréquence, tu augmentes ta conscience, tu restes aligné, tel un fil à plomb. Okay? La seule chose qu'on ne pourra jamais t'enlever, c'est ta liberté intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce qui importe, c'est donc que tu commences à élever ta vibration. Plus on va être de personnes, de petites merveilles, à élever notre vibration, plus on va pouvoir influer sur notre monde. J'entendais l'autre fois un scientifique un scientifique et d'autres littéraires. Le scientifique, c'est Nassim Haramein. Le littéraire, c'est Lovecraft. Que la Terre est un organisme vivant qui s'appelle Gaïa. Que l'on peut appeler Gaïa. Et nous, toi, moi, ton voisin, ton père, ta mère, ton frère, etc., le président, on est tous des cellules de cet organisme. Okay? Et un organisme, c'est un collectif. Ton corps est aussi composé d'un certain nombre de cellules. Lorsque tu as une maladie, lorsque tu as un cancer, tu as des cellules qui ne sont pas dans leur état optimal. Et si tu ne fais rien, cela a tendance à s'étendre et ça peut créer une maladie, voire ça peut créer ta disparition. Il en est de même avec la terre, avec ton village, ta ville,
ton département, ton pays, ton continent, le monde. Il y a des cellules qui sont pourries, qui sont en mauvais état. OK? Pour pouvoir éviter que se propage cette épidémie d'inconscience, eh bien, il faut en contrepartie élever la conscience, élever le taux vibratoire. Et donc j'en viens enfin à ma promesse de début de vidéo, c'est comment élever ta conscience, comment élever ta vibration, ton taux vibratoire en profitant du soleil. Et c'est extrêmement simple. Je suis face au soleil, tu vois, je ne peux même pas le regarder en face. Je suis face au soleil et je reçois son énergie. Je reçois son énergie photonique, ses photons et puis toutes les autres particules qui n'ont pas forcément de nom. Je reçois son énergie en moi et ça élève ma vibration. Ça élève ma fréquence vibratoire. Je peux en plus, consciemment, demander au soleil d'augmenter ma vibration. Soleil, s'il te plaît, peut-être tu lui as donné un nom. Par exemple, pour moi, soleil, c'est le Dieu. Il est une représentation du Dieu créateur. Et je l'appelle Osiris. Peut-être que toi, tu as un autre nom. Peu importe. Tu demandes, Osiris, envoie-moi ta force, ta puissance. Contribue à augmenter ma vibration intérieure. Contribue à augmenter ma fréquence vibratoire, je te prie. Et sens comment ça se passe dans ton corps, dans tes cellules. Sens comment, sens la chaleur que ça t'apporte, sens les vibrations que cela t'apporte. Évidemment, tu ne restes pas 2 heures en plein soleil. Ou alors tu mets une casquette ou des lunettes, ok? Voilà, chaque fois que tu vois le soleil, relie-toi à lui. Alors même, ça fonctionne aussi, même quand le soleil n'est pas aussi présent que là, ok? Même si là, ça peut te paraître évident, tu peux le faire à d'autres moments où cela peut te paraître moins évident. Quand le soleil est voilé derrière la brume ou les nuages, ça n'empêche que le soleil est toujours là et tu peux toujours le saluer. En saluant le soleil, tu vas aussi te relier plus facilement avec la nature. Surtout si tu habites en ville, où la nature est moins présente qu'à la campagne. Chaque jour, quand tu te lèves, je t'invite à remercier le soleil pour cette nouvelle journée. Je t'invite à te relier au soleil et simplement, en invoquant son nom, à communier avec lui, à te rappeler que ce système solaire fait partie d'un tout, tout comme toi. L'univers cosmique, cosmologique, la Terre, toi, nous sommes tous les mêmes éléments d'un système gigantesque, beaucoup plus grand, qui nous unit tous. Se rappeler de ça, c'est aussi minimiser les perturbations que l'on peut vivre en ce moment. Rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi qui tu es, deviens qui tu es réellement. Alors, au moment opportun, les masques tomberont. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, petite merveille. Continue à élever ta vibration. Je te donnerai dans les jours à suivre d'autres moyens d'élever ta vibration très facilement. J'aimerais bien que tu me laisses un petit commentaire, que tu me dises comment tu vas, quels sont les moyens que tu utilises aussi pour élever ta vibration. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et puis également, en description de cette vidéo, tu trouveras un lien vers Créer ma réalité où je t'offre ton premier audio de prise de conscience subliminale. C'est aussi un autre moyen pour élever ta conscience et ta fréquence vibratoire. Ciao! N'oublie pas que tu es important, que je t'aime et je te dis à bientôt. Bye!